Oui. Doc, je viens de traverser je ne sais pas combien de portes. Je peux te dire que là, je suis l'as des sas. Hein. Et là, c'est une impasse. Oui, mais t'es pas passé par la passerelle. La passe quoi? T'as pas vu la passerelle? Bon, bah écoute, c'est pas grave. T'es passé par des sas. Et ça, c'est super, parce que du coup, t'as compris quelque chose d'intéressant. Je comprends rien. C'est en fait comment la convection, finalement, fait circuler les choses. Alors, regarde, je t'explique. J'ai de l'eau froide, ici, en bleu. Je vais mettre ici de l'eau chaude. J'ai mis un peu de colorant, un peu d'eau chaude. Hop, c'est parti. Regarde Ludo, nous avons un petit modèle de tes portes et de tes sas. Ici, une seule porte. Je mets l'extérieur du bâtiment, froid, en bleu. De l'autre côté, je place l'intérieur du bâtiment, chauffé, en rouge. Et la question est, que se passe-t-il lorsque j'ouvre la porte? Alors, tu l'as vite compris, regarde bien. Le rouge et le bleu se mélangent. Et au final, finalement, la chaleur du bâtiment va vers l'extérieur, et donc ces masses plus fraîches et plus chaudes se mélangent, et à la fin, on refroidit le bâtiment ou on réchauffe les oiseaux. Ah. Et voici ton modèle de sas, c'est-à-dire deux portes pour simplifier, la partie finalement fraîche, c'est-à-dire l'extérieur d'un côté en bleu, de la partie finalement un peu plus chaude, c'est-à-dire l'intérieur en rouge, et on ouvre les portes. On ouvre la première porte, on ouvre la seconde porte, et on constate une chose intéressante. La partie là ne se colore pas trop en rouge et la partie là ne se colore pas trop en bleu, tout simplement parce qu'en fait, le chaud reste dans la partie chaude et la partie moins chaude, c'est-à-dire plus fraîche, reste toujours plus fraîche. Et ainsi, c'est le sas qui va faire compensation entre les deux. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que tu as traversé toutes tes portes. Mais mon petit Ludo, je peux te montrer d'autres expériences pour comprendre ce que l'on appelle la convection. C'est-à-dire que ce qui est chaud a tendance à se dilater, à prendre plus d'espace, l'air chaud, l'eau chaude ont tendance à monter. Par contre, ce qui est froid a tendance à se contracter, prendre moins de place et donc couler. Pour comprendre, regarde, je te propose une première expérience rigolote. Celle-ci. De l'eau en grande quantité et une salière avec un peu de colorant, de l'eau chaude. On ferme la salière, on ouvre bien par contre en haut ici, et on place le tout dans ce récipient qui contient de l'eau fraîche. Et l'on observe ce qui se passe. Et l'on plonge ainsi la salière au fond de l'eau fraîche, et l'eau chaude de la salière va remonter telle la lave d'un volcan depuis le fond jusqu'en haut, tout simplement par convection. C'est-à-dire que comme elle est moins compacte que l'eau fraîche qui est autour, elle se met à monter. Donc ce qui est chaud a tendance à monter et ce qui est froid a tendance à descendre. C'est ainsi qu'il se forme de la convection entre ce qui monte d'un côté, ce qui descend de l'autre, et donc entre les deux, un mouvement. Mais pour bien comprendre, une expérience encore plus spectaculaire. Regarde ici, quatre récipients identiques. On va placer de l'eau chaude et de l'eau froide. Ici, froide. Froide. Et ici, chaude et chaude. Nous allons retourner les récipients les uns sur les autres. Commençons par prendre celui qui est froid et on va le placer sur celui qui est chaud. Comme ceci. Je retire délicatement et l'on observe qu'il y a ici un mélange. Pourquoi? Parce que ce qui est froid a tendance à descendre, ce qui est chaud a tendance à monter, et au final, on a un mouvement. Si je fais la même chose, mais en mettant cette fois-ci le chaud en haut, que se passe-t-il? Eh bien, regardons tout de suite. Hop! Comme ceci, on retire délicatement, et cette fois-ci, c'est génial. Regarde bien, celui qui est chaud, il a envie d'aller en haut, mais il est déjà en haut, alors il reste. Mais celui qui est froid, eh ben, il a envie de descendre, mais il est déjà en bas. Donc, la même expérience donne pas le même résultat selon l'ordre que l'on place les choses. Et ça, c'est absolument génial. Allez, à tout de suite. Ah. Ah. La passerelle. Ah. Ah.